suis un faux visage dans la vie, à cause de ma triple personnalité. Être faux visage me plaît. Cela trouble le lecteur. Ça le mécontente parfois, parce que j'en m'en sers pour l'entraîner dans des chemins rassurants, ou brusquement je l'abandonne et je le laisse devant l'incertitude ou devant l'effroi. Je laisse souvent le lecteur dans un climat d'imprécision, d'incertitude, ce qui le fâche un peu parce qu'on l'abandonne en cours de route. Par rapport à ce qu'on croit être les certitudes rassurantes de la raison, il y a beaucoup de moyens de troubler les gens. Ça n'empêche pas un peu de dérision, voire même un clin d'œil. Susciter le trouble est très agréable, c'est une forme de puissance. Dans mes contes, il y a beaucoup de mains. Seules, coupées, mouvantes, mortes. Mon père disait, il a des mains d'assassin.